Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, il y a eu un Partner Showcase Nintendo. Et du coup, comme Hyrule Warriors 2, donc je me dis, il a un autre nom, mais le museau dans l'univers de Zelda Breath of the Wild, l'après-quel de Breath of the Wild, l'histoire dont tout le monde se fout, mais bon prétexte pour faire un Hyrule Warriors 2. La démo est disponible sur Switch depuis aujourd'hui. Et la démo, si ça te plaît et que t'achètes le jeu, tu gardes ta sauvegarde. Donc bon, tu peux tester et voir si ça te plaît, quoi. Donc on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Moi, je n'ai jamais joué à un museau de toute ma vie. J'avais pas fait Hyrule Warriors 1 sur Wii U, mais là, bon, je me suis dit, vas-y, va tester la démo, va compter les frames par minute. Donc niveau difficulté, normal, difficile, héroïque, on va se mettre en normal. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Langue de doublage, ah, français. Langue d'affichage, français. Voulez-vous commencer avec ces paramètres? Vous pouvez les modifier par la suite. Oui. C'est parti. Un museau. Peux le dire museau pour pas te faire de mal. Musou ou museau? Comment qu'on dit? Non mais c'est bon, oui, j'ai vu que ça faisait des sauvegardes automatiques. Je pense que tu vas pas tenir 30 minutes. Pourquoi? C'est un peu brain dead comme jeu. Et alors? Oh, j'ai joué à des trucs brain dead. Hein. La plupart des triple A auxquels je joue, c'est brain dead les triple A, mais c'est toujours un plaisir. Il faut voir à quel point. Oh, le SSD de la Switch, il est beau quand même. Le problème, ça va être le framerate. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai dit qu'on en parlerait pas plus de 3 fois du framerate. Parce que sinon, on va en parler que de ça et on va se faire vraiment chier, quoi. S'il y a un mode difficile et héroïque, c'est que ça doit pas être si brain dead que ça. Tu vas pas me dire que le jeu en héroïque, il est facile. Seul Link peut vaincre Ganon. J'aurais dû écrire Breath of the Wild 2 pour le titre. Je vais me faire spoil la fin de Breath of the Wild, surtout moi. Explique le museau. Attends. Magnésium. Mais c'est pas doublé en fait. Mais j'ai pas la cam d'allumer parce que c'est du lent. Là 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 là. C'est plus intéressant que le Lord Hyrule Warriors, toi, hein. J'ai pas suivi, c'est parce quoi? Les vaillants soldats d'Hyrule, le
royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques. C'est le passé, c'est le... Cependant, l'après-quel de Breath of the Wild. Loin d'être suffisamment préparé. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant. Les Qu'est-ce qu'elle a la VF se rapproche même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque! On va balayer au canon les monstres qui se trouvent dans la plaine. Alors, est-ce que... Alors le museau, qu'est-ce que c'est? Un museau, c'est... Est-ce que vous avez déjà lu Kingdom et vu Uki balayer 5 mecs avec un coup de lance? Bah là, c'est le principe du museau. Ah oui, quand même. C'est... On a... Ah, attends, comment qu'on fait? Voilà. On a 20 000 ennemis, mais quand je mets un coup d'épée, en fait, j'en défonce 15 d'un coup. Ouais, c'est compliqué là quand même. Y attaque standard, X attaque forte. Ah oui, attaque forte dans le genre. Ok, d'accord. Oui, non, c'est pas 20 en fait, c'est 100. J'ai jamais joué à un Musou apparemment. Après un combo d'attaque, enchaîner X. Qu'est-ce que. Attends, j'ai pas lu. Action spécifique du personnage. Quoi, attends, comment on esquive? Non, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'esquiver en fait, les ennemis ne font rien, c'est ça? Allô? Faut pas bouger la caméra, je pense. Mais... Faut pas bouger la cam. On l'avait dit que ça allait être en 20 FPS, mais en fait, c'est vraiment en 20 FPS. Hein. C'est pas du 30, là. Hein. Parce que j'ai fait Breath of the Wild, et Breath of the Wild, ça ressemble pas à ça. Hein. Ah, j'ai joué à Breath of... J'ai pas lu. C'est quoi? C'est XXXXY? Ah oui, coup fatal. Ah, plus personne. Ah, si. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je viens de faire du surf, là. Alors, Breath of the Wild, il y a genre 3 ennemis niveau diversité. Bah, je pense qu'ils en ont peut-être créé d'autres, là. Dynasty Warriors, c'est un Usu, c'est ça. Bah, c'est pour ça, c'est Hyrule Warriors, en fait. C'est fait par ceux qui font Dynasty Warriors, à la base. Mais ça, c'est une série de jeux. C'est un genre de jeu qu'on connaît pas du tout en Occident, parce que ils sortaient pas à l'époque, en fait. C'est des jeux qui sortaient pas chez nous, ou qui étaient pas du tout joués, en fait. Qui se vendaient absolument pas. C'est un style de jeu qui n'existe pas, quoi. Mais sauf que là, Hyrule Warriors, il était sorti sur Wii U quand même. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Éliminer le Moblin. Et lequel? Lui, là? C'est bon, il est mort. Ah oui, non, sur la map. Vite! Maintenez X enfoncé après l'attaque forte finale d'un combo, puis relâchez pour porter un coup supplémentaire. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, je comprends rien. Maintenez X enfoncé. Mais c'est bien ça, X! Oh, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'aurais peut-être dû mieux lire LB pour utiliser un objet de L plus B. Arrête! Ah oui, L plus B, je mange la pomme. Mais alors, je dois maintenir X? Pour porter un coup supplémentaire, mais ça marche pas. Y, 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 X... Ah oui, attends. Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, X. Non. 1, 2, 3, X. Re-X. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Déjà 200 morts. Enfin, je comprends rien. Hein. Enfin, je vais aller chercher le général. Je vais jouer à Kingdom. En fait, il faudrait la même chose, mais avec Kingdom, en fait. Il faudrait une version Kingdom. Ces bestioles sont puissantes, restez sur vos gardes. Verrouillez un ennemi puissant. Ok. Donc là, je les verrouillade. Lorsque la jauge de points faibles apparaît... Comment on esquive? B, esquiver. Ok. Z, se protéger. Non. ZL! Ça! 100%, ça se fera pour Kingdom. Ce soir, ça existe déjà, en fait.
c'est pas clair quand même. Hein. Ah! J'ai réussi! Ok. Incroyable. Arrête! Une épée de soldat. Prenez le contrôle des avant-postes. Ok, let's go. Les Dynasty Warriors, c'est déjà Kingdom, ouais. Oh, mais ça se passe après, non? Ouais, en fait, ça se passe dans Kingdom, mais il n'y a pas les personnages de Kingdom. Imagine, tu peux jouer Uki. Imagine, tu peux jouer Dukyu. Imagine, tu peux jouer Yotanwa. T'es qui, toi? Oh, c'est pas clair, hein. Mon dieu, mais le... Je crois que j'ai jamais joué à un jeu qui rame autant, je pense. Ce n'est jamais arrivé. En vrai, je pensais qu'on n'allait pas beaucoup parler du framerate, mais c'est une honte, en vrai. En vrai, c'est honteux. Y, après une esquive de justesse, foncez. Hein? Ça, c'est comme dans Breath of the Wild. Et je pense que si un jour tu joues à Breath of the Wild et t'as l'impression que ça rame, faut jouer à ça. Hein. Le jour où ça rame trop, Breath of the Wild... J'exagère comme pour Breath of the Wild. Oh, non, 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 non. Là, c'est... Enfin, je sais pas si vous le voyez de votre côté, mais... Là, j'ai l'impression d'être dans la forêt de... Dans la forêt de... Comment ça s'appelle, là? La forêt des Korogus, là. Là, c'est la forêt des Korogus, en vrai. Hein. It's forêt des Korogus all over again. Hein. J'ai fait la démo, c'est compliqué. Quand tu bouges la cam, c'est chaud. Ah non, mais c'est vraiment chaud. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors que les cinématiques, bon, bah, les cinématiques, c'est Breath of the Wild tier, ça rame pas. Non, c'est pas en 30, hein. C'est pas du 30, hein. Je vous assure que ce n'est pas du 30 FPS. Si c'était du 30 FPS, ce serait Breath of the Wild et ça me choquerait moins. Non, non, c'est pas 30, hein. Qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 hop. Oh, si, si, c'est les ennemis qui font la question. Que se passe-t-il? On va y avoir un boss. Allô? C'est une tour Ubisoft. Merde, j'ai oublié de couper la cam comme un connard. La Switch Pro le fera peut-être tourner en 30, hein, j'avoue. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois me concentrer sur les monstres qui me font face. Merci pour ton aide. Oui, très bien, et donc... Ça m'a apporté R2-D2, quoi. Ça, c'est rigolo, ça. Pourquoi ça fait pas tout le temps, ça? R plus Y, bombe à distance. Hein? Ah! C'est pété, ça! Eh, c'est pété! Et quand on tire une flèche et qu'on défonce 8 moblins d'un coup, c'est assez incroyable, hein. R plus A, Cryonis. Ça sert à quoi? Saumura... Hein? Attends. Et ça marche pas, votre... Ok. Je sais pas quoi ça sert de se mettre sur le truc pour grimper, sûrement. Ah, sur le principe, c'est fun, mais c'est la technique qui suit pas, quoi. J'arrive jamais à faire le... 1, 2... Bonjour.
Waouh, oh, ça c'est pété ça. Donc je gagne des rubis, mais je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ouais, y a des combos aériens. Bon, là j'ai nettoyé là, non? J'arrive pas à faire 1, 2. Ok, donc il y a 1, 2 boucliers. Il y a. Ah! Allô, mais pourquoi ça marche là? Mais je sais pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. 1, 2, 3. Ouais, ça là. Mais comment j'ai fait ça? Mais comment je fais des fois? 1, 2, 3. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est un vrai combo, ça. Non, presse. Ah non, ah, c'est l'ulti. Papier partout, ouais. 1, 2, 3. Ouais, je sais pas, c'est pas consistante. Je le fais pas à chaque fois. Attends. Oh yes! Oh, je les ai d'aime. Ça fait pas tout le temps ce que je veux en fait. R plus Y sur des ennemis à garde solide, bombe à distance. Y, pardon. Oh. Arrête, arrête! Tiens! Par la puissance d'Escalimbur! Ah, y'a plus. Il est mort. Ouais, en vrai, ça tournerait bien, ce serait fun à jouer. Hein. Ah, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Je pense qu'après une grosse session, t'as un peu mal au bide, non? Y'a sûrement deux boutons, le coup de base et le spécial avec des combos, genre trois fois le coup et bah. Ouais, mais oui, mais c'est ce que je fais. Moi, je fais Y, Y. Et ensuite je fais des X, mais des fois ça fait certains combos et des fois d'autres. Pas tout le temps les mêmes. Tu vois, genre là, hop, et là. Ouais, là ça a fonctionné. Oh! Arrête! Il est bien l'arc. Il grave bien l'arc. Il paraît que ça rigole pas, Excalibur. Hein. Ah là, d'accord, là. Est-ce qu'on peut jouer d'autres persos dans la démo? Parce que moi, c'est plutôt justement le fait de pouvoir jouer les autres personnages de l'univers qui m'intéressait, à la limite. Mais... je suis pas sûr que ce soit le cas. Il y a le gyroscope aussi? Oh non. Dans la démo, on peut jouer d'autres? Arrête, arrête! Oh, c'est le bread and butter celui-là, ça y est, je l'ai. J'ai le bread and butter. R plus Y. Ah. Allez. En fait, on est un peu imba, quoi. R plus A sur des ennemis en pleine charge. Cryonis. Ah oui. Ok. J'ai rien compris, mais je l'ai tué. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. J'ai pris un avant-poste. Pour moi, ça. Il y a beaucoup de ressources, mais je sais pas quoi ça sert. Bonjour. Un sorcier de feu apparaît sur le champ de bataille. Et donc... qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Changer de personnage? Vous pouvez désormais contrôler Impa. Ouah! Ah là, d'accord, là. Oh là, d'accord, là! Faire apparaître un symbole d'ennemi, l'absorber avec une attaque forte. Hein? Attends, ZR? Quoi? Quoi? Attends, elle fait des trucs bizarres, elle. Hein? Merci, Actraiser, pour les 44 mois. Bonsoir à tous. Ça va, Actraiser? Le loot vient à moi? Viens là! Elle a des attaques, elle?
Mais c'est pété ce qu'a fait elle. Allô? Il se passe des trucs bizarres là quand même. Je comprends rien ce que je fais, hein, mais. Je comprends rien ce que je fais. Elle peut mettre la glace comme ça. J'ai rien compris, elle, hein. Comment on mange déjà? Mange. Ok. Absorber le symbole. Mais comment ça, absorber le symbole? Quel symbole? Pourquoi faire? On dirait Genshin Impact. J'en peux plus. C'est chelou son pouvoir, j'ai pas tout compris. What? Non mais c'est... Ok. Ça fait voir son A. Oh attention, là, ça va chier. Allez hop! Elle raconte un peu sa vie en se battant. Aïe 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 aïe. Je remontais au chat. C'est vrai que c'est un peu... Elle balance un peu des menus de 3 fois plus de piment là et hop! Elle les absorbe tous. J'ai pas tout compris au principe mais... plutôt pour, on va dire. Pourquoi il y a autant de monde ici? C'est fini, oui! Avec ZR, tu poses des marques. Eh, pourquoi tout à l'heure ça fonctionne? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? On comprend rien! Pourquoi j'ai des clones à l'infini, là? Et qu'est-ce que... Ah, et maintenant, j'envoie mes clones au casse-pipe. Pose pas de questions. Ouais, tape, ouais. J'ai cru comprendre qu'il fallait pas poser de questions, juste taper, quoi. J'arrive. Elle fait des trucs bizarres, elle, hein. En garde. Non, moi, Shindeki. Ah. Elle fait un peu les symboles de Naruto, en vrai, hein. On peut changer de perso, là. Hop. Mets-moi sur lui, là. Oh, oh, quoi? Caméra. Et ils réapparaissent direct. En fait, selon quand t'arrêtes ton combo, ça fait pas la même chose derrière quand tu passes à l'attaque spéciale. Je vois. Eux, ils ont tellement de vie. Petit jeu PS2, j'avoue. Petit jeu PS2 en vrai. Hein. C'est un petit jeu PS2, quoi. Je vais mettre une ulti, on sait pas. Niveau supérieur. Genre, j'ai level up, là. Venu. J'avais 2 ultis de stocked. J'en prends rien au jeu. J'arrive pas à totalement poser le cerveau, quoi. Merci Nalina pour les 3 mois de Prime Gaming, des bisous. R plus A sur les ennemis dans l'eau, Cryonis. Ah, là, ça va servir. Ah, je l'aime bien, celle-là. Wouah! En fait, c'est les patterns sont incroyables, en vrai. Hein. Les combos sont insane. Hein. R plus A sur les ennemis dans l'eau.
celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, cette attaque. Ça me fait penser à un truc dans Sekiro qu'on utilisait jamais parce que c'était trop lent. Allez, salut. Allons chercher le dernier avant-poste, là. Bonjour. Bah, j'ai rien compris. Bah, j'ai pas très bien compris. Mais j'aime pas bien ça. Ok. Tu peux voir. Attends, remets-lui R plus A, là. Est-ce qu'on peut faire R plus A et R plus Y? Ah non, on peut pas. Faut vraiment attendre que ça recharge. J'ai gagné. Prenez tous les avant-postes, j'ai gagné. Non. J'ai reperdu un avant-poste, non? Par la map. Je crois que celui-là, je l'ai gagné, mais du coup, l'autre, j'ai perdu. Ah bah ouais, ouais, mais ça tourne, en fait. Tu vas pas assez vite, c'est lose. J'ai fait de la merde. Ouf. Ils sont où? Ils sont où? Y'a personne ici. Ah non, c'est que les lézards, ils ont plus de vie que les autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Succès! Et maintenant? Oh, attends, attends, ouvre pas les coffres! La situation est grave, on a repéré un groupe de moblins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les moblins? Les moblins apparaissent sur le champ de bataille. Ouh. Un groupe, il faut absolument qu'on les arrête. Vas-y, j'y vais en bouclier, là. J'ai peur de rien. Non, mais arrête. Mais, normalement, tu peux faire le boubou pour aller plus vite. Mais fais pas ça! Donner des instructions aux alliés. Plus. L'onglet allié de l'écran du menu plus vous permet de donner des instructions à un personnage que vous ne contrôlez pas directement afin qu'il se dirige vers la destination choisie en appuyant sur A. Ok. Et alors? Instruction. Va là. Je sais pas si je vais donner une instruction. Instruction, va là. Petit sabre au croco. Attends, mais mon perso, là, je peux lui équiper autre chose? Petit sabre de... Enfin non, de cocorico. Je peux pas équiper autre chose pour Link? Il faut que Link court pour glisser. Ah, faut déjà qu'il soit en stance ok. Ah oui. Ah d'accord, ok. Il y a trop de choses dans le tuto. Le jeu est trop complet. Comment ça, l'épée de soldat? C'est nul, l'épée de soldat. On peut pas changer quelque part? Historique, butin. Regarde tout ce que j'ai. J'ai eu un petit sabre de cocorico. Historique. Ok. Bon bah c'est prouvé, hein. Je comprends rien au jeu. Ça a l'air validé, hein. C'est juste que c'est vraiment dommage que ça tourne pas, quoi. C'est vraiment dommageable, en vrai. Attends, il a mis la garde, là. Faut lui mettre R plus Y. Ça s'en bat les couilles, hein, c'est que les... Allez hop! Salut! Bon maintenant allons chercher les moblins. Le prochain Hyrule Warrior sera en cloud NP. Merci beaucoup Arctum pour les 44 mois. C'était quoi ça? Oh non! Oh non! Non! Les 900 Korogu d'Hyrule Warrior. Merci beaucoup Arctum pour les 44 mois. Cornegidou, déjà 44 mois, préférez boire une pinte de béchamel ou une pinte de mayonnaise? Je préfère... Ceci est mon urine. Non, je sais pas, la béchamel et la mayonnaise, je pense que... Ouais, boire ma pisse, c'est même level, quoi. Je déteste la mayonnaise et la béchamel à ce point-là, je pense. Toi, là! Ah, du coup, je me bats avec Impa.
Non, laisse. En tout cas, ils sont plus faciles à tuer dans ce jeu. Hein. Au moins, les armes, elles cassent pas trop tôt. Hein. Je pense que j'y mets. Viens là. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, apparemment, apparemment, je prends pas les dégâts. Allez, un. Les croque-monsieur. Ah. Manger les croque-monsieur au ketchup. Oh, il m'a eu. Oh, enfoncé. Oh, j'ai réussi. Ça se trouve, il y a un combo derrière ça. Ah. Ils trempent leur croque-monsieur avec ketchup. Hein? Qui? En vrai... Comme ça doit pas être mauvais, tu vois. Ah, Mizufani, ok. Je suis choqué. Ouais, mais il m'a lancé un ennemi, lui. Attends. Et là! Arrête de mettre des coups de pied. Arrête. Il va me def. Arrête. Je sais pas comment ça se passe, ça, le coup fatal. Bon, j'ai tué tout le monde, là. La victoire est nôtre, nous nous sommes battus, nous avons prévalu. Ouais, bon, on n'a pas trop regardé la caméra, quoi. On n'a pas trop regardé ce qui se passait autour. Bataille de la plaine d'Hyrule, ce jeune chevalier était pas mal. Oui, bon, il a juste tué 1600 monstres, à peu près, mais... Par ça, tout va bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Arme obtenue. Et bah qu'est-ce que je dois faire? Attends, quoi? Okay. Matériaux obtenus. Qu'est-ce que t'en fais de tout ça après? Le croque-McDo? Non, c'est sans sauce. Hmm. Un mystérieux gardien. C'est un jeu du farm en plus, hein? J'ai beau réfléchir. Je n'y comprends rien du tout. Ouais, bah ouais, ouais, bah j'ai... c'est exactement ça. Hein. Mais qu'est-ce qui lui prend? Hé, hey, attends-nous! Ce soir, c'est le jeu, c'est le stream des jeux où on comprend pas. Noita, on comprend rien. Ça, on comprend rien. Soldat, vous avez fait du très bon travail. Oh! Te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses soient louées. Oui, votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikah de la part de Kua. Oh hein? Arrête, bébé 8. Votre Altesse. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Oh, c'est clairement R2-D2, hein. Obi-Wan Kenobi, venez me sauver. Depuis le cœur même du fléau, afin de sauver Zelda. Ouais. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Rua et Pharas, d'étudier ce gardien. Ainsi que la tour qui était soudainement apparu dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande.
Il vient du futur, donc. Honte de Zeus, Marty. Link, chevalier. Link, chevalier Ilien, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour apparue soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, tu devras déterminer avec l'aide des chercheurs, dont le professeur Didier Raoult, si nous pouvons avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Puisse la déesse Ilia veiller sur toi, Roam Bosphoramus, Hyrule. Link. Ce jeune homme issu d'une famille de gardes au service de la famille royale d'Hyrule est doté d'une grande force physique et d'un don pour l'escrime. Il ne ménage aucun effort et s'entraîne toujours avec diligence. Avec diligence. Impa, magistrale adjointe d'Hyrule, cette Sheka est magistrate adjointe près du château d'Hyrule. Malgré son jeune âge, elle remplit ses fonctions avec une grande efficacité et Zelda a toute confiance en elle. Sérieuse et appliquée, il lui arrive parfois de se laisser aller à des moments de rêverie. Putain, l'art est incroyable dans le jeu, hein, mais... Ça tourne pas, quoi. Utilisez la tablette Sheka pour sélectionner votre destination, résoudre des problèmes à travers le royaume d'Hyrule vous permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Vers le laboratoire royal. Atelier d'escrime d'Hyrule. Une épéiste souhaite ouvrir un atelier d'escrime pour enseigner l'autodéfense face aux monstres. Malheureusement, elle manque de matériaux, fournissez-lui ce dont elle a besoin. Un bon repas chaud. Capacité à cuisiner des plats débloqués, recette de la viande vapeur. Ah ouais, mais c'est le jeu du farming, oh là là. Vous avez cuisiné pour la première fois avec votre récipient, du feu et des ingrédients, vous pouvez cuisiner un large panel de plats à tout moment, n'hésitez pas à retenter l'expérience. Ah ouais. Complissez des missions en Hyrule pour augmenter votre niveau de contribution dans chaque région, venez en aide à plein de gens et vous rassemblerez des forces qui pourront être utiles pour la guerre. Ah mais niveau game design, ça a l'air bien en vrai. Non mais ça a l'air vraiment bien. Hein. Le game design a l'air cool et tout, mais... Putain, le jeu il a l'air de ramer ses grands morts là. Ah, c'est les certificats de Bokoblin pour ouvrir l'atelier d'escrime. Let's go. J'ai déjà toute la carte de Breath of the Wild. Un superbe atelier a été construit grâce à vos matériaux. Pour vous remercier, l'épéiste devenue maîtresse d'armes vous aide à développer votre technique. Profitez-en. Ah, donc on avait... Maintenez le bouton de l'attaque forte X pour porter un coup plus puissant. Pendant un combo, maintenez et relâchez X pour effectuer une attaque supplémentaire. Donc Y... Ah, donc maintenant, on peut faire 5 fois Y. Ok. La lame qui protège le village. Quelqu'un est venu à l'atelier d'escrime pour demander qu'on s'occupe de les Alphos, ma maîtresse d'armes. Maîtresse d'armes était ravie de vous voir revenir avec une preuve de victoire. Son client serait également au courant. Donc maintenant j'ai un nouveau X aussi. Incroyable. Lure familière au pays des neiges. Un marchand Sheka que vous avez croisé en Ebra se lamente de ne pouvoir rentrer dans son village de Cocorico. Consolez-le en lui offrant des souvenirs de son bourg natal. Ok. La luciole de la sincérité a rappelé au marchand son village natal. Récompensé par sa douce lueur, il a repris le travail, l'air heureux. Vous espérez qu'il pourra bientôt rentrer chez lui. Ah, ça augmente les trucs de Sheka. Enfin, de Impa. Des doubles apparaissent pour chaque symbole absorbé avec X. Absorber des symboles des trois types pour porter ensuite un coup fatal. Oh, je comprends rien. Merci la banane rouge pour les 18 mois. Bonjour à tous. Noita de prévu aujourd'hui. Est-ce que j'ai vu une idée de l'heure de l'heure à peu près? Je sais pas. Je pense qu'on va refaire une mission là. De la gelée chuchu et des certificats des Alphos, pourquoi? Nouveau combo pour... Ah ouais, il y a écrit 5 carottes et nouveau combo pour Impa. Là, la récompense, c'est recette de la grande poêlée végétale. Très bien. Bah, du coup, là, vallée du néant, quoi. En sélectionnant équipe, vous pouvez choisir l'équipement des personnages de votre équipe. Vous pouvez aussi modifier votre équipe en appuyant sur X depuis la carte d'Hyrule. On fait voir. Il avait l'épée de soldat, mais si t'as envie de prendre une épée de voyageur, tu peux... Et les armes ont de l'XP aussi. C'est quoi ça, épée de soldat, mais elle fait que 11 dégâts. C'est la merde. Tiens. Armure de soldat, jambière de soldat. Casque. Ça sert de mettre le casque. Petit sabre de Cocorico. Attends, elle a un truc à 17, elle. Oh là là, dégâts infligés par les attaques en fonçant, 7%. Oh là là, oh là. Les gros dégâts, là. Oh, c'est Monster Hunter un peu, hein.
C'est un peu Monster Hunter, hein. Merci Baru pour les 3 mois, des gros bisous. À Graveyard, non, ce sera pas tout de suite. Par cet étrange gardien, Zelda, accompagnée de Link et d'Impa, se mit en route vers le laboratoire antique où les attendaient Prua et Pharas. Mais... Les astuces qui s'affichent à l'écran vous seront utiles tout au long de l'aventure, même le plus expérimenté des chevaliers en apprend tous les jours. On y étudie les reliques antiques, ok. Oh, c'est dommage que ce soit 17 FPS, ça a l'air cool en vrai. Hein. En vrai, c'est trop dommage que ça tourne au cul, quoi. Moi, ça me donne envie, hein. Et c'est juste pas assez fluide, quoi. C'est le principe que ça rame. Non mais vous allez pas me sortir ça comme un argument de vente quand même. Je me demande bien pourquoi il me suit partout comme ça. Qu'est-ce que tu es au juste, hein? Je crois qu'on peut jouer tous les gardiens. Que Pharas ne l'aura pas analysé au laboratoire, on n'en saura pas plus. Vous avez raison, vous, princesse. Oh ! Pourquoi ce gardien vous a-t-il attaqué ? Oh. Link, c'est un peu... C'est un peu Justin Long, hein. Il vient un peu de faire un full pari, quoi. Attendez, j'ai une nouvelle attaque, normalement. Normalement, j'ai Y, 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 Y. Donc, normalement, j'ai Y, 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 Y. Et là, je peux enfin enchaîner sur... Ah ouais! Allez! Oh, le plaisir de cette attaque! Y, 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 enchaînement, into, vrai. Oh non, j'ai fait de la merde. Arrête. R plus B, Polaris. Arrête. Oh bah non, ça marche pas. Faut attirer lui, là. Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai pas compris, ça. Ça fait quoi, Polaris? Et les Zelda à fuir. Vas-y. Tiens. Et hop. K.O. Ça va aider que le game design de ce genre de jeu est stylé. Oh, j'ai eu une ressource rare, je crois. C'est tellement dommage que ouais, c'est dommage. Moi, c'est... Ce serait game changer si c'était pas comme ça, quoi. Là, c'est vraiment over abused, quoi. J'ai l'impression de jouer à Shadow of Colossus sur PS2, quoi. Parce que sinon ça marche, hein, au niveau du gameplay ça fonctionne, hein, une fois que t'as compris. R plus X, Cinétis. Genre ça va fonctionner comme je pense. Ah, je croyais qu'ils allaient aller sur leur pote. Nick! C'est fort ça en vrai.
quêtes que je dois faire à des Zelda. J'arrive. Attends, j'ai loot un truc là. J'ai loot la baguette. L plus X, baguette de glace. Incroyable. Ah oui, d'accord. Ok. Y a plein d'éléments trop stylés en vrai. C'est Noita en avance, la baguette de glace, j'avoue. Ah oui, dans l'eau. Ah bah oui, combo avec l'eau, du coup. Oh, c'est trop stylé, en vrai. R plus B sur des ennemis munis d'armes en métal Polaris. Ah oui. Il veut m'apprendre. Ah d'accord. Ah oui, c'est pété à ce point, en fait. C'est rigolo en vrai. La baguette dans la glace, c'est fort. Baguette! Je crois que je peux faire un 2, 3, 4, 5 aussi. Attendez, faut que je teste. Ici, on devrait être en sécurité. Bah, bien sûr, hein. Sinon, tu pourras arrêter d'avancer en tête, quoi. C'est un petit peu con, non? Allô? Vous avez galéré sur les gardiens dans Breath of the Wild. Voilà comment on défonce un gars. Ok, bon, je vais peut-être rien dire. Non, je peux pas faire 5. Je les connais tellement. Évitez le combat avec le gardien. Ah, ok, ils veulent pas que je me batte contre le gardien. Ça rame tant que ça, ouais, ouais, c'est... Bah, c'est la forêt des Korogu dans Breath of the Wild, tiens. Comme si tu devais te battre dans la forêt des Korogu, quoi. Ce qui n'arrive pas dans Breath of the Wild, mais... Enfin, t'as quand même certaines zones de combat dans Breath of the Wild qui rament comme ça, mais... C'est rare, quoi. T'es le gardien tout en protégeant Zelda. Bah viens, 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 viens donc. Viens là. Bah viens, viens. Moi je veux y aller, moi je veux me taper, moi. Ah oui d'accord, il a utilisé lui pour... Oula, oula, c'est un peu apparu devant moi ça, non? Attends, mais elle va où? Qu'est-ce que tu fais? Viens là! Activer les gardiens des terres. Quoi? Ok. Oh, je comprends rien. On comprend que dalle. Ok, s'il faut que j'aille en dessous. Faut que j'arrive à passer en dessous. Je peux avoir la carte en grand, SVP? Il y avait peut-être moyen de passer là, non? Non, ça a l'air vraiment de se passer tout à droite là. Mais il y a un monde où ça allait plus vite quand même par là, je crois. Le FOG de 2 mètres. Allez, cheval! Oui, c'est plus vite, ça va plus vite par là. En plus, il me dit va par là. Attends. J'ai l'impression qu'il m'a fait des trucs bizarres, Link, là. Non, vous ne me tirez pas dessus, hein. C'est mort. Y'a pas une touche pour courir. Non, faut. Ok, d'accord. Il faut absolument. Y'a pas une touche pour rengainer et du coup pour pouvoir courir instant. Ce serait pas mal, hein. Je sais pas si je préfère pas le combo 3. Parce que le combo 3, du coup, tu rush après en avant. Toujours beaucoup de plaisir et de brasse. Merci pour tout. Merci. Wadislas. Ah, le W plus L derrière, c'est interdit, ça, normalement. Hein. Interdit. Il y a du monde là.
2, 3, 4, X, re-X, comme ça. Ça, en fait, j'ai l'impression que ça fait quand même des lourds dégâts, mais bon. Enfin, je l'ai mis dans le vide, Yawesh à moi. Ça, c'est efficace, hein. Est-ce que je peux faire gratos ça? On peut charger, genre. Non, faut vraiment que ça vienne d'une série de Y avant. Non, c'est mort. Mais le camp est bientôt pris, mais il y a du monde ici, en fait. Comment je vais là? Oh, oh, c'est un cauchemar, là. Ah, c'est vraiment un cauchemar. Et le tips pour engainer et courir instant. Vas-y, dis. Dis-moi donc. En fait, j'aimerais capturer la zone, là. Dis-moi le tips. Elle est bien, cette attaque-là. Oh, je l'édème. Oh non, non, il est pas mort, en fait. Oh, il est mort. Ok, bon, ici, c'est chez moi. J'ai eu un bonus pour ça. Ah oui, ça donne des coffres, ok. Et les coffres, ça donne, évidemment, beaucoup, beaucoup de loot, quoi. Ok, je vois le genre. Et pas chiche en contenu, la démo. Bah, je crois que t'as tout l'acte 1, en vrai. Je peux pas sauter, là, c'est une blague. Non. Attends, c'est considéré comme un mur, ça? Ouais, faut peut-être pas trop se foutre de ma gueule, non plus, non? Quelle brasse. Tu esquives et tu maintiens le bouton. Ah, bien vu. Quand tu déclenches une esquive, ça, voilà. La démo, elle est stylée, hein. C'est juste dommage que techniquement, ça suive pas, en fait. Parce que sinon, moi, je trouve le gameplay ultra fun et tout, hein. C'est un style de jeu que je connaissais pas et honnêtement, c'est... Ça marche bien, en vrai. Aïe. Oh. Ah. Par la baguette. Baguette. L plus A, baguette électrique. Ouais, salut. Laisse-moi aller là. Coup de baguette électrique. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire là. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était le truc, l'aimant. Je sais pas trop comment je déclenche le coup point faible, mais... Mais j'arrive à le déclencher. Le système de loot, ça a l'air d'être Monster Hunter tier, par contre, attention. Hein. Si vous êtes intéressé par le jeu, ça a l'air d'être vraiment le jeu du farming. Hein. Est-ce que baguette glace into baguette egg, ça fait un truc? Ah, c'est possible, ouais, j'ai pas testé. Et j'ai activé un gardien. Non, non, mais arrêtez, vous pouvez pas dire ça, on est en 2020, le principe c'est pas de faire en sorte que le jeu techniquement il soit dégueulasse, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, vous pouvez pas dire ça en vrai. Le principe du museau, c'est pas d'être au-delà de la technique, c'est juste qu'il...
ils font rien en fait. Genre, on est en 2020, il y a peut-être moyen de faire un museau propre maintenant et ce serait 10 fois mieux en fait. C'est, tu peux pas dire que c'est une qualité du genre que ça rame, ça n'a aucun sens en fait. Et je veux pas dire non plus que c'est une qualité de juste en mettre trop pour que ce soit dégueulasse quoi. Je suis persuadé que tu peux en mettre assez et que ça rame pas tant que ça maintenant quoi. Là c'est juste qu'on est sur Switch mais... Là tu sortirais le même jeu sur PC, il aurait moins de problèmes en fait. Hein. Et il serait plus fun quoi. Je peux pas grimper là-haut là. Pour moi l'argument il n'existe pas là. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Oh! Est-ce que si j'utilise, c'est les mêmes énigmes que dans Breath of the Wild? C'est... Ah, par contre, il y a beaucoup de boutons, faut faire gaffe à ça. Tout ça pour looter un vieux jambon nul. Un cœur. Ah, c'est deux cœurs, ok. Je crois que ça sert encore. Mais... C'est juste que le genre est sous-représenté et que les seuls qui développent ce jeu-là, ce type de jeu-là, c'est des studios qui codent un peu. Voilà quoi. Parce que ce nombre d'ennemis-là, il y a plein de techniques qui, actuellement qui te permettraient de faire un jeu pas horrible avec. Hein. Oh non. Non mais ouvre la porte là. Me fais pas ça. Non, me fais pas ça s'il te plaît. Pourquoi je peux pas aller là? Unlock Zelda. Je peux jouer Zelda? Ah! Et pourquoi nous fait chier dans Breath of the Wild si elle sait faire ça? Pourquoi qu'elle nous fait chier? En fait, elle pouvait se démerder depuis le début, hein. Vous avez pas de soucis, hein. Activer les effets des modules Sheikah de la tablette. ZR. Ah ouais. Oh, j'ai fait le tour comme le pire des cons, ouais. Elle avait la flemme. Ah, c'est un truc pour pas se faire à... Oh. Ah oui, c'est... D'accord. Lui, il est apparu, on sait pas où il était, hein. Il va vite, il prend une tape. Ah, Zelda, j'aime pas trop son gameplay. Mais je garde les baguettes. J'arrive pas à foncer avec elle. Ah, j'ai réussi. Elle lui a tout mis, hein. Elle lui a mis les 4 d'un coup. Coup de tablette. Je viens là, je pense qu'il y a un coffre, non? Oh, mais du coup, elle a pas de combo, en fait. Vu qu'on a rien acheté sur la map avec elle encore, elle est en mode vanille. Elle gère un peu mieux la tablette que Link, quoi. Mais genre légèrement, quoi. Ok, ça redonne des pommes.
Ok. Je pense que les persos, tu peux sûrement désactiver les dialogues, j'imagine. Ah, j'ai plus de baguette de glace. Si je mets une baguette électrique sur Joe l'électrique, il se passe un truc ou pas? Qu'est-ce que je viens de faire? Je n'ai absolument rien compris à ce qui vient de se passer. Quoi? C'est terminé. L'appareil photo, il est pété, hein? Moi, je retiens dans Breath of the Wild, je vais prendre en photo Ganon à la fin et c'est win. À dire qu'il suffisait de savoir ça. C'est win. L'attaque TikTok. C'est un peu l'attaque TikTok en vrai. Hein. R plus X sur des ennemis en attaque circulaire. Arrêtez-vous. Ok. J'ai l'impression qu'elle fait zéro dégâts en fait. Ok. Y'a un truc que j'ai pas dû comprendre avec elle ou juste je fais pas assez de dégâts encore. J'ai eu une dorade. Tu choisis un module pour te battre? Ben non, parce que quand je fais X, regarde. Elle enchaîne en fait. Ou alors tu fais. En fait, c'est ça, regarde, elle les enchaîne. Tu fais Y, après, si t'enchaînes sur X, c'est par là-dessus. Si tu changes. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas tout bien compris. Nous sommes prêts à ouvrir le feu. Mais la cible est hors de portée. Et donc. Nous n'avons d'autre choix que de la tirer prudemment dans notre première attaque. Dans notre période d'attaque, pardon. Le gardien des terrains est prêt à attaquer. Changer de personnage. C'est elle du coup. Attends, je vois pas mon perso là. Et absorber le symbole, je comprends pas non plus. Oh, je comprends que dalle. Bah j'ai rien compris. J'ai rien bité. Bah j'ai rien compris. Elle a rien pour avancer vite. Hein. Attirer le gardien. Il est où? T'es où? Là. Bah, j'ai pas tout bien compris. Zack, vendredi découverte, ça veut dire quoi? Bah c'est un jeu qu'on m'a pas mal, on m'a pas mal demandé de faire, donc vendredi on va découvrir Isaac en live. J'espère que ce sera cool. T'as pas intérêt. T'as pas intérêt! Yes.
Chez le berger gardien est très affaibli, une attaque directe devrait pouvoir le renverser. Absorber le symbole. Nouvel objectif défini. Éliminer le gardien. Ça y est, c'est parti. J'ai fait de la merde. C'est un peu Akuma en vrai. Je pensais pas que ça va être mon genre, Isaac. Enfin, j'espère que ça va quand même un peu me plaire parce que ça coûte cher avec tous les DLC. Hein. Ça se passe 100 ans avant Breath of the Wild. C'est avant que Link soit dans le repos. C'est la bataille. La bataille contre Ganon. C'est ce qu'il nous a raconté mille fois dans Breath of the Wild, mais en mode « Oh, il y a eu une bataille il y a 100 ans. » Merci, Ulef, pour les 40 mois. 40 mois en attendant les 40 jours de confinement. Aïe, aïe, aïe. Merci pour les 40 mois, Ulef. Oh, il y a un BB-8. Il y a Dark BB-8. Tous ces rupees. J'ai eu une arme mystère. Des durians. Des plats. Hein, c'est pas des réalités alternatives, hein, ça va être canon. Hein. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Oh, Pharas, jeune. Comme la tablette Sheikah n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikah, nous avons pu... Il y a plus. Il renferme aussi une quantité d'informations dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Coucou! Whistiti! Allô? Cette Jojo pose, elle le fait aussi dans Breath of the Wild. J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Oh. Oh, mais c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule, tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données était corrompue. Cependant... Si je continue à les analyser, je pourrai peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau... Non. Je dois à tout prix empêcher cela. Quand il est légendaire. Afin d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. C'est plus qu'avant, hein. Avant dans Zelda, c'était juste la Triforce, c'est bon, hein. Quoique non, il y a toujours Excalibur. La forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée au... Le pentagramme. Imagine la forêt Korogu dans ce jeu. La princesse d'Hyrule ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. C'est un peu le jeu des cinématiques aussi. Comptez-vous hein. Vous promener partout avec cette relique suspecte ?
Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair? Oui, c'est très clair. Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir. Zelda, la princesse d'Hyrule qui a hérité de ses ancêtres le sang sacré de la déesse, se passionne pour l'étude des reliques antiques éparpillées à travers le monde. Depuis la mort de sa mère, elle poursuit un entraînement quotidien très rude pour éveiller en elle le pouvoir du sceau. Allô ? Arrête, arrête ! Lola. Les pouvoirs du gardien venu de l'avenir ont ouvert l'accès des champs de bataille dans une autre dimension. Vous pouvez y prendre part à diverses batailles. Les batailles et missions en Hyrule peuvent être affichées sous forme de listes séparées. Appuyez sur LR à l'écran de la carte d'Hyrule pour passer d'un onglet à l'autre. Mais c'est pas une démo, c'est le jeu en fait, non? Les batailles, chapitre 1. Ah, on a que le chapitre 1, je crois. Mission de combat. Ok. Les missions en Hyrule. Atelier des scrims, terminé. Impa, on n'a pas fait celui-là. Ça rapporte quoi? Ma force a grandi. Un nouveau combo pour Impa, un nouveau Y. Arrête. Accès aux installations. Un épicier est furieux car des beaux gobelins ont dérobé nanana ouverture de bonheur des fans. Qu'est-ce que c'est que ça? Le calme est revenu dans le champ de citrouille grâce au déploiement des abeilles que les beaux gobelins détestent. Satisfait, l'épicier retourne au travail. Vous avez désormais accès au bonheur des femmes. Diverses boutiques vous permettent d'acheter et de vendre des matériaux. Chaque boutique vend des types d'objets différents. Ok. Remportez donc en souvenir une des spécialités de Cocorico que vous ne trouverez que dans notre boutique au bonheur des fans. Ah ouais, d'accord, tu débloques les boutiques de ressources contre les rubis, donc. À la pêche ou au relais? Quelle réussite! Le festival du village des Carailles n'a pas manqué aux fruits de mer. Le gérant a pu à nouveau se concentrer sur son travail. Grâce à vos efforts, le relais a ouvert ses portes. Désormais accès au relais du lac. Grâce aux échanges entre régions, les marchands ambulants d'Hyrule ont fondé un réseau coopératif. Vous pouvez acheter des objets rares au relais fréquenté par ces marchands. Le relais du lac. Donc les installations. Travaux de rénovation au relais. Donc là, j'ai pas assez tué de Lesalphos. Insupportables insectes, j'ai pas eu d'insectes. Musculation pour les forgerons. Là. Les forgerons et leurs nouveaux muscles ont formé la guilde des forgerons d'Hyrule. Ainsi réunis, ils fabriquent des armes dignes des plus grands guerriers. J'ai accès à la guilde des forgerons. Fusionnez d'autres armes avec votre arme de base pour reforger cette dernière et la rendre encore plus puissante. Vous pouvez également revendre des armes qui ne vous sont pas utiles. Fusionnez des armes. Comment ça, fusionner des armes? Fusionnez d'autres armes avec votre arme de base pour augmenter le niveau et la puissance d'attaque de cette dernière. Lors de cette opération, un saut des armes utilisées comme matériaux peut aussi lui être transféré davantage selon le niveau de votre arme. Comment ça, fusionner des armes? Ah, ça augmente le level de l'épée? Je comprends rien. Ah! Bon, attention, on peut en mettre que 5 dedans. Fusionner. Dégâts infligés, plus 2%, 6 cœurs tous remplis, portée d'attaque 7%. Ça fait une arme level 7. Devenue une bien belle arme, si vous avez encore besoin de service, vous savez où me trouver. Non, arrête.
Ah ouais, tu peux tout foutre dedans, quoi. Ouais, je vois. J'aurais dû manger l'épée level 13, non? Mais ça me coûte de l'argent, en fait. Ah, d'accord. Recoucou le chien. Ça vaut quoi? Bah, ça a l'air très bien, mais malheureusement, ça rame, ça fout le rame, donc si... Si techniquement ça vous fait chier d'avoir un jeu en 15 FPS, bah, ça va être no go. Sinon ça a l'air très cool en fait, ça a l'air d'être un jeu de... un très bon défouloir avec... avec des bonnes mécaniques de farm derrière et de crafting et tout. Ah, j'ai pas de fleur armo. Il pousse à l'innovation. J'ai l'impression d'être plus fort. Je prépare pour la Switch Pro, j'avoue. Nouveau combo pour la tablette Sheikah. Est-ce que je gagne? Je gagne le double X, ok. J'ai rien de nouveau pour Link. Ah si, offrande à la déesse Cocorico. Merde, j'ai pas assez tué les alphos, sinon j'aurais eu cœur max plus 1 sur Link. D'accord. Bon, en vrai, je pense qu'on arrête là. Hein. Merci Banjounet pour les 6 mois de Prime Gaming. Sinon, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? La version démo s'arrête ici, vous pouvez reprendre votre partie par la suite en important vos données de sauvegarde dans la version complète. Vous voulez accéder? Ok. Donc t'as pas le droit de faire les missions, là? Ah, les bats! T'as peut-être le droit aux missions de combat. Non, t'as le droit de faire le nettoyage de l'étang, je crois. Ah, ça, t'as le droit, ça. Mais il est tout seul. L'épée level 8, là, blâme. Enfin, j'imagine que tu peux augmenter tes armures et tout. Enfin, ça doit être... Hein. Ça doit être infinitière. Et là, pour la démo, t'as le droit à... Ouais, voilà, t'as le droit à nettoyage de l'étang, à lancer et faire exploser une fois que t'as terminé les deux missions d'introduction du jeu. Un stream de la version complète. Honnêtement, je sais pas, genre le jeu a l'air trop bien, mais je peux pas tenir un jeu entier comme ça en 15 FPS, c'est trop en vrai. C'est trop vénère en fait. Merci Stripe Sama pour les deux mois de sub, qui me dit quelle vie. Mais c'est solide, hein, je vais pas vous mentir qu'en vrai... Ça a l'air très très bien, hein. Mais au moins en 30 FPS constant, ce serait cool, quoi. Parce que là, 15 FPS avec des chutes où des fois t'as l'impression que c'est un diaporama, c'est compliqué quand même. Mais sinon, c'est vraiment bien, hein. Le gameplay, le game design ont l'air cool, c'est juste que... Bah non, quoi, pas ça, pas comme ça. Dans le douche, sauvegarde. Ah, solide. Très solide. Ah. Oui. Ouais, attendez-vous à un jeu du farming, quoi. Hop. Au revoir, YouTube.